Enfin, il raconte une petite histoire. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Mani Kouba. Il est allé au Mwani, au bord de la mer. Et en rentrant à la maison, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il s'agit d'un homme qui s'appelait Majifumba Bombe. On a dit qu'il s'agissait d'un homme qui s'appelait On a bien dit qu'il s'agissait d'un homme qui s'appelait Et on a bien précisé qu'il était allé au Mwani, au bord de la mer. Et qu'en rentrant à la maison, chez sa grand-mère, il ramena quoi? Fille, poisson, trois naro, enfin, trois poissons, quoi, qui venaient certainement de pêcher pendant le temps qu'il est resté au Mwani. Mais vous savez quoi? En rentrant à la maison, cet homme qu'on a dit qui s'appelait Malumba Bumbe, en rentrant à la maison, cet homme, que fait-il avec ces trois poissons? Vous savez ce qu'il a fait avec ces trois poissons ou vous ne savez pas? Est-ce que vous voulez le savoir ou vous ne voulez pas? Il a pêché du poisson. Il a fait du mal et du poisson. On va voir ça ensemble parce qu'on risque bien de ne pas en arriver là. Cet homme qui est revenu du Mwani et qui ramena les trois poissons à sa grand-mère, il se mit à les partager. Partager. Vous savez pourquoi? Je crois seulement parce que la famille de sa grand-mère était nombreuse. Ce qui est sûr d'après l'histoire de ma grand-mère. Et que cet homme qui est revenu du Mwani du bord de la mer et qui a ramené les trois poissons à sa grand-mère, il s'est mis à les partager. Il s'est mis à les partager. D'une manière que... Yendima Yajunga, Yajunga, c'est le Mwanimu, le sorcier. Yendima Yajunga Bombe, le premier poisson est revenu au sorcier Yajunga Bombe. Yabili Yakoko, le troisième poisson est revenu à Koko Bombe. Le deuxième poisson plutôt, et le troisième poisson est revenu à qui? À Majikumba Bombe, le pêcheur lui-même. Mais, vous savez, jeunes gens, ce que Yajunga Bombe, Majikumba Bombe, Nakoko Bombe ont chacun fait, ont fait chacun, vous savez ou vous ne savez pas? Yajunga Bombe na e, Majikumba Bombe na e. On partager son poisson d'une manière que para. Et en ayant fondu les enseignants, ceux qui enseignent les enfants dans les écoles, les maîtres et les maîtresses, en ont tué un morceau. Les enfants de tous. Les enfants, eux aussi, je dis bien les enfants, eux aussi, et les enfants, eux aussi, les enfants, eux aussi, ont connu le poisson de Malikumba Bombe. Malikumba Bombe. Les enfants, eux aussi. On a bien dit que les enfants, eux aussi. Oanabao était dans le lot de ceux qui ont connu le poisson de Malikumba Bombe. Si je vous disais que
cette histoire est vraie. Qui peut me dire pourquoi cet homme-là qui vient de nous raconter cette histoire, pourquoi il dit que cette histoire est vraie? Qui sait qui a la réponse? Mon histoire est vraie. Pourquoi? Allez, rappelle-moi son prénom d'abord. Awad. Jawad. 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 Allez, Jawad, non. Pourquoi je dis que mon conte est vrai? Mon histoire est vraie. Parce que c'est le pêcheur. Non, Jawad. Alors, qui c'est qui veut essayer? Rappelle-moi ton prénom. Jade. Jade, alors oui. Pourquoi mon histoire est vraie? Parce que c'est ma grand-mère qui l'a dit et que c'est ma maman qui me l'a raconté, c'est ça? Et que je l'ai comprise, c'est ça? Si je n'ai pas une autre belle réponse, je prendrai bien celle-là. Alors, mon histoire est vraie. Pourquoi? Non, il y aura pas tout. Et tu t'appelles comment? Rappelle-moi ton prénom. Hicham. Bravo Hicham et Jade. Jade a donné le début de la réponse et Hicham l'a bien terminé. Cette histoire est vraie parce que je viens de vous la raconter. La semaine prochaine, le samedi, je vais m'amuser avec vous samedi. Ah, mercredi, vous revenez mercredi? Non, pas mercredi, je ne sais pas. Après, ça sera la semaine. Quel jour vous pourrez venir? Samedi. Mardi, mardi, on se voit mardi. Vous êtes prêts mardi à venir? Oui. Et on va terminer le. On va terminer le. Et si on finit ça, je voudrais vraiment que cette rencontre avec vous, je vous laisse un cadeau, c'est-à-dire une production du conte comorien en chicomorien en français. Le halé, na halé, na halé. Comment? Ah, vous serez pas là? Vous serez déjà parti à Paris? J'ai pensé à vous. Ça, tu vas partir. Eh bien, j'ai un pensée particulier à toi, d'accord? Vous allez rentrer à la maison. Est-ce que vous êtes fatigué ou on continue encore un autre jour? On est fatigué. Non. Pas fatigué. Bon, alors pas fatigué. Alors mais pourquoi vous baladez? Ah non, mais ça c'est après, non? Ça c'est après. Allez, ayez force, vous allez avoir un côté. Oh, moi je sais à votre place, je viendrai ici tous les jours. Toi, je t'ai vu au Goubani là. Voilà, je t'ai vu au Goubani. Tu connais au Goubani, toi? Tu connais Goubani? Tu connais? Tu connais Goubani? Goubani. Je te dirai un jour. Quand je te verrai là-bas, je te le rappellerai. Alors, on reprend les enfants. Allez, à la cabatine de création. On va finir là. Venez, on conclut. On va faire la conclusion là, les enfants. Ouais, c'est pas facile de tenir les enfants pendant 2 heures du temps, c'est vrai. Les parents, rentrez avec vos enfants, please. À tout par un petit point. Attends, on va faire la chigue des amis, la vie, attaque à ta voix, ok, là, au sud, on va la chigue. Au revoir, on s'en fout. À mardi. Alors, tu pars, bon, alors. Tu viens? Appelle-moi le nom. Ok. Allez, prends le truc. Ah oui, c'était là? Ah ben oui, c'était là, mais c'était ici. Voyez, où est-ce? Allez, les filles, voyez, où est-ce? Allez, reprenez. Les garçons, wana wani somo. Wana wani somo. Les filles, voyez, où est-ce? To go where? To go where? Little.
little boys up. Together, on reprend. Why, ooh, and oh. Why, ooh, and oh. Wanna wami so more. Wanna wami so more. And to go where? To go where? To go where? To go where? And little girls and little boys. Why, ooh, and oh. Alors on reprend, c'est bien, vous avez aimé ou pas? Oui. Oui, alors on reprend pour la mère et le petit arrive là. On continue, allez, jusqu'à le mémoriser. Alors on commence, toi, parce que tu l'as bien retenu. Tu commences, hein. Allez, après mon, le son du tambour. Ah. On revient au départ. Quand on est en groupe, on se comporte comme quand on est vraiment dans le groupe. Ok? Alors, et qu'est-ce que tu as aimé?
Ah, elle a tout aimé sauf le bruit. Quand Michel va m'apparaître, elle m'a dit que l'année dernière, il découvrait. Oh, monsieur, il voyage en Okana. Je ne voyage pas dans le pays. Tu vois, je vais te voir. 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 Alors, on passe à son grand frère. Alors, exprime-toi. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Commençons par les mauvaises choses. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as aimé? Non. Yoami, alors dis-leur que j'ai aimé. Alors, cette fois-ci, je vais t'appeler Ania. Alors, Ania, dis-nous un peu comment tu t'appelles déjà. Ania. Ania comment? Et on va mettre comment là, on peut aller, Yoami. Tu comprends un peu le Comorien ou tu comprends pas? Il a dit ce que tu comprends le Comorien. Alors, dis-moi, comment s'appelle papa? Papa? Et comment s'appelle maman? Et tu t'habilles tout? Tu t'habilles tout, pardon? Enlève ta main de la bouche. J'habite à La Haye les Roses. Ah, La Haye les Roses, c'est en région Baden. Aïe! C'est en région parisienne, c'est ça? Oui. Alors, tu es ici pour combien de jours? Depuis quand tu es ici? Depuis 4 jours? Ah ben, heureusement que le grand frère est là hein, pour te siffler de trois mots. Ok. Qu'est-ce que tu as aimé ici et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'ai aimé quand ouais. Ouais, c'est vraiment des trucs bizarres, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as retenu dans ces trucs bizarres-là, quoi? Tu peux nous chanter ce que tu as entendu là ou non? Qu'est-ce que tu as retenu? Oh, eh, wana wa mi somo. Eh, to go. To go. To go well. To go well. Bravo, Ania. Alors, on arrive à Granty. Oui, dis-nous, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? T'as tout aimé? Et rappelle-moi ton prénom? Non. Fatima? Fatima, c'est ça? Allô, Fatima, elle est là. Mais, alors, gentille, rappelle-moi ton prénom. Bon, je ne vais pas retenir tous vos prénoms aujourd'hui, mais j'espère les avoir pour la prochaine fois. Alors, rappelle-moi ton prénom. Non, on n'a pas écrit. Na? Aïcha. Aïcha, alors dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tu as tout aimé? Ah, bravo. Alors, jeune homme. J'ai tout aimé. Alors, toi, tu as aimé ou tu n'as pas aimé? Tu t'appelles comment? Hein? T'as joué? Et tu t'appelles comment? Nasra? Ah, et papa s'appelle comment? Il est où? Ah, papa s'appelle papa, t'as vraiment raison. Et il est où, papa? Ah, c'est ton papa? C'est lui qui a porté le coiffure? Ah, c'est le papa de Aïcha. Ah, d'accord, mais c'est l'oncle, hein? C'est ton oncle, hein? Barakallahu fika. On arrive à Moulay, le grand baba, qui se passe tenir tranquille. Alors, dis-moi tout. Nabiesh Komol. Et ils ont dit bon, ils ont l'asile, ils ont dit bon, ils ont l'asile. Alors, ils ont dit bon, ils ont l'asile, ils ont dit bon, ils ont l'asile. J'aime. J'aime quoi? Un discours. Un discours? Alors, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'on a dit là, de tout ce qu'on a fait là? Alors, dis-moi ce que. Dis-leur, dis aux gens qui te regardent là ce que tu as aimé. Ben, j'ai aimé la poésie. Ah, hein? Et tu te rappelles de cette poésie là? Oui. Ah, là, c'est quoi? Qui es-tu? Oui. Et en chikomori, c'est comment déjà? Qui es-tu? Et tu te rappelles de la chanson finale, là, de la dernière chanson? C'est comment? Tu te rappelles? Alors, l'âme est comme les. On passe à son voisin, parce qu'apparemment, il se précipite à prendre la parole. Hein? Dis-nous comment tu t'appelles? Hicham. Hicham. Alors, qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? T'as aimé, c'est vrai? Ah ouais, je suis content. Je suis vraiment content que tu aies aimé. Alors, comme quoi, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as retenu? Alors, Le chant. Il y a quelque chose que tu peux redire là, de tout ce qu'on a vu? Qu'est-ce que tu peux. Ouais, ouais. Allez, vas-y. 3, 4. To go where?
little girls and little boys. Bravo. Alors, on arrive à Amine. Alors, mon cher Amine, alors dis-moi, t'as tout aimé? Et qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu veux nous dire de ce qu'on a fait? Tu te rappelles de quelque chose ou non? Non. Alors, on arrive au grand Moussa, là. Alors, dis-moi, Omar. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? T'as-tu aimé? Et la prochaine fois, tu viendras? Tu viendras plus, tu seras plus actif? Ou on va répartir les gens? Tu ne vas pas rester avec les petits? Alors, on va faire un groupe pour les grands, pour les 14 ans. D'accord. On ne va pas laisser les 14 ans, les... T'as quel âge? Et les 12 ans en même temps, parce que c'est gênant. D'accord? Je sais. Donc, on va vous mettre entre 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À la limite, là, ça va. Mais avec les petits de 3, 4 ans, c'est vrai que... Plan, 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 plan. Donc, vous venez la prochaine fois, vous les grands, je vous propose quelque chose de grand que vous allez retenir tout de suite, mémoriser tout de suite. Et si vous avez envie de le présenter au public, vous le pourrez. Alors, Youssouf, non, c'est pas Youssouf, mais si, c'est Youssouf. Alors, qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? J'ai tout aimé, mais je n'ai pas aimé dès qu'ils ont fait le... Oui, tu, avec ta voix. Tu reviendras la prochaine fois, oui ou non? Ok, alors, jeune homme. Ça va? Alors Idriss, t'as aimé ou t'as pas aimé? T'as aimé? Bon, moi j'ai aimé aussi que tu apprécies que tu lises le Coran à l'aise. C'est très bien pour 14 ans, tant qu'on est en France, de pouvoir lire aussi le Coran à l'aise. Notre champion, Nabil, qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'ai tout aimé. Sauf? Sauf rien. Demain, à la prochaine. Qu'est-ce que tu as retenu là et que tu voudrais nous faire partager? Oui. Allez, vas-y. 3, 4. Vas-y. 3, 4. Ouais, ouais. Tu peux dire ouais, ouais. 3, 4. Waye, waye, pa, wami, wami. Waye, waye, mais pas wami, wami. Wana, wami, somo. To go where, to go where. On passe à son frère, dis-nous, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ah, il n'a pas aimé le fait que tu ne lises pas le Coran. Bon, en tout cas, tout le monde n'a pas lu le Coran. Et c'est vrai qu'on aurait pu te faire lire le Coran. On verra la prochaine fois. Sinon, tu as retenu quoi hier après-midi? Ok, voyez, voyez, ou ouais. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tu as aimé? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu veux faire pour nous? Ouais, ouais. Non. Et qu'est-ce que tu veux faire quoi? Oui. 1, 2, 3, 4. Ouais, 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 ouais. To go where? To go where? Little girls and little boys. Alors, on passe à notre dernier champion. Alors, à se présenter, à donner son avis sur l'après-midi. Ah, les abeilles de l'Italie, loin de l'Italie. Non. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ah, le bruit. En tout cas, les enfants. Là où il y a les enfants, il y a toujours du bruit. Moi aussi, j'étais content de partager ces instants avec ces enfants de chez nous, en espérant, Inch'Allah, autant que les instants qu'on a passés ensemble leur serviront dans leur vie. Alors, on se donne rendez-vous à mardi. Mardi, vous êtes là, les parents, ou pas? Mardi, alors, allons faire à 15h, parce qu'on a rendez-vous. Mardi à 15h. Attendez. Hein? Mardi à 15h, vous pouvez regarder les fidèles. C'est bon, derrière ces images-là. Et tous ceux qui nous donnent cette chance pour nous exprimer en faveur de la ville de Fougouni et de notre pays. Marabane, je dis si je reviens tout, ça sera pas la partout, ça sera le futur. Mais je ne sais pas, chez Katika, je dis, on se dit jeudi.
Je vais donner un film, mais je vais donner un film.